Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment recevoir des dons pour vos envies, projets, passions, grâce à un phénomène très médiatisé et encouragé par nos gouvernements, le financement participatif, ou appelé plus couramment dans le monde, le crowdfunding. Qu'est-ce le crowdfunding? Crowd veut dire foule, funding veut dire financement. On comprend ainsi facilement qu'il est question de récolter des petits montants auprès d'un large public. Et l'on voit par exemple sur le site officiel du gouvernement français l'assouplissement de la législation en février 2014. Les gouvernements encouragent ce phénomène pour pallier à l'absence des banques dans la réelle économie. Allons voir dans le carré en bas à droite les différents types de crowdfunding existants. Il y a le crowdfunding financé par le don, le crowdfunding financé par le prêt, le crowdfunding financé par la participation dans l'entreprise. Ici, je vais vous parler uniquement du crowdfunding financé par le don, puisque celui-ci s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux associations, alors que les deux derniers sont plutôt pour les entreprises. L'intérêt du crowdfunding de don est que, contrairement aux deux autres, vous n'aurez pas à rembourser l'argent que vous recevez, puisque l'argent qui arrive dans votre poche provient des dons. Si vous tapez sur Google « crowdfunding », ou financement participatif, vous y trouverez d'innombrables pages. Vous pourrez y voir des articles de presse, comme par exemple, à gauche de l'écran, des cas de vie sauvés par le crowdfunding, ou à droite de l'écran, un quotidien comme le Sud-Ouest, qui relate les conférences que nous faisons, car ce que vous entendez dans cette vidéo, nous le faisons aussi en conférences physiques dans de nombreuses villes au monde. Nous voyons ici la mairie de Paris, qui au mois de novembre 2016, a créé une plateforme de crowdfunding pour financer les obsèques des familles n'ayant pas les moyens. Elle a donné le nom de Tontine 2.0. Ici, un article de presse sur le célèbre Emmanuel Macron qui, en 2016, a créé une série de mesures pour accélérer le développement du crowdfunding. Le crowdfunding n'est pas un phénomène nouveau. Par exemple, en 1885, la Statue de la Liberté a pu être mise sur pied grâce au crowdfunding. C'est à ce moment que la politique américaine a considéré ce moyen de recruter des donateurs comme une bonne solution alternative. Le célèbre Barack Obama a lui aussi utilisé le crowdfunding pour financer ses deux campagnes présidentielles. Pour la première fois de l'histoire, c'est la foule qui a financé pour avoir un président. De 2012 à 2015, la croissance du crowdfunding a été de 1275%. Et nous voyons qu'elle sera encore bien plus importante d'ici 2020 pour atteindre 1000 milliards de dollars de fonds collectés. Le financement par la foule est voué à un avenir exceptionnel. Et vous? Avez-vous un projet, une envie, une passion à financer? Vous n'avez pas les moyens d'emprunter de l'argent, mais vous avez un réel besoin à réaliser, comme par exemple, pour une association, récolter des fonds pour une aide médicale, récolter des fonds pour une aide humanitaire, ou pour une personne physique, financer des études, acquérir un bien immobilier, besoin d'une voiture, créer une entreprise. Le crowdfunding est à votre disposition pour recevoir l'argent que vous avez besoin. Il vous suffit de prendre du temps pour d'abord rentrer en contact avec la personne qui vous a donné cette vidéo afin qu'elle vous explique comment en profiter efficacement comme elle-même le fait. Ensuite, elle vous guidera pour déposer votre projet très simplement sur une plateforme de crowdfunding. Et tout au long de votre conquête de la foule de donateurs, vous serez accompagné gratuitement par une communauté de porteurs de projets qui ont eux-mêmes déjà reçu des dons pour leur projet. Si cette personne n'est en ce moment pas à côté de vous, contactez-la dès maintenant pour connaître comment recevoir au plus vite des dons pour vos envies, vos besoins, vos projets.